à la voix de Dieu. Parce que le Seigneur a un travail à faire avec vous. Mais il faut demander à Dieu de vous remplir. Il faut que le Saint-Esprit déborde pour qu'il puisse faire son œuvre à travers vous. Donc tout a commencé quand nous sommes entrés en jeûne à l'église. J'essayais d'entrer en jeûne, mais j'arrivais pas. À la fin du jeûne, j'ai demandé au Seigneur pourquoi je n'ai pas réussi à entrer en jeûne. Il m'a dit parce que moi, je t'ai donné une date pour faire ce jeûne. Il m'avait donné le 30 décembre. Il m'a dit tu feras le 30, le 31, le 1er. Et c'est moi qui vais te dire quand tu vas t'arrêter. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, je devais faire le 31 avec vous. Et le Seigneur, il m'a dit tu ne seras pas ici le 31. Je vais t'envoyer un endroit et c'est moi qui vais t'utiliser. Quand le 30 est arrivé, on a été à l'église, la semaine suivante sur Paris. Le message était fort. Le titre du message, c'était « Prédestiné de Dieu, pensée renouvelée ». Quand j'ai eu le message, j'ai dit « Seigneur, je sais que tu as quelque chose à faire avec moi ». Le message était puissant. Le 31, arrivé, ils ont été mangés et j'ai une copine qui m'a appelé avant. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit que tu dois passer le 31 sur Paris. Quand ils ont été mangés au KFC, mais moi j'avais entendu qu'on doit aller à l'église le 31. Quand je l'appelle après le culte, elle me dit, moi, je ne vais pas à l'église. Tu dois venir prier pour moi. Je dis quoi? Si tu m'avais dit ça depuis le départ, je ne serais jamais venue sur Paris. Elle m'a dit, tu as une œuvre à faire. Le 31, on devait se voir. Il y a eu beaucoup d'obstacles. On ne sait pas vu. Mais le Seigneur il m'a dit, je suis en train de te préparer. Tu dois rester dans le silence. J'ai été dormir à 22h. C'est la première fois. J'ai dit, Seigneur, mais je n'ai même pas passé du temps à prier. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je suis en train de te préparer. Tu dois dormir. Quand je me suis réveillée, le lundi, il y a eu un culte à l'église. Église évangéliste, l'éternel notre justice. Quand je suis arrivée, le culte c'était à 10h. Il y avait beaucoup d'obstacles encore. Je suis arrivée à 10h30. Une fois arrivée, il y avait l'adoration. J'arrivais pas à entrer dans l'adoration. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que c'est l'adoration qui ne porte pas assez? Je suis rentrée au plus profond de moi. Le Seigneur, en fermant les yeux, je vois Luc 9. Tu dois donner ce message à l'assemblée. Après, je vois Marc 16, verset 15 à 20. Et le Seigneur me dit, ils ne peuvent pas m'adorer comme ceci. J'ai laissé le Saint-Esprit. Ils doivent utiliser le Saint-Esprit que je mets sur cette terre. Ce peuple doit être rempli du Saint-Esprit. J'ai des délivrances à faire, mais tu vas passer devant. Quand on m'a dit, qui a une prophétie, j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas passer. Il y a trop de monde. J'ai peur. On m'a dit, la peur ne vient pas de moi. Et tu vas y aller immédiatement. Parce que je t'ai envoyé. Arrivé, j'ai commencé, je ne savais pas comment passer devant. Mais il y avait un chant qui passait, c'était le chant infiniment grand. Et il ne chantait pas ce chant avec puissance. Quand je suis passée devant, j'ai commencé à prophétiser ce que Dieu m'a dit. Vous devez lire Luc 9, vous devez lire Matthieu 16, verset 15 à 20. Et là, le Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai tout. Là, il m'a utilisé. Et j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai commencé à parler. Et moi, je ne me rappelle pas. Heureusement qu'il y a une copine qui a enregistré. Et quand il m'a dit, ouvre les yeux, j'ai commencé à voir des gens tombés par terre.
Et je tombais par terre. Et je commençais à crier. Et je disais, oh, je ressens le feu de Dieu. Et il y a eu des délivrances qui se sont faites. Et je me suis dit, si je ne veux pas écouter, si je veux passer le 31 ici, il n'y a pas eu des âmes qui seront délivrées. Et là, jusqu'à maintenant, je suis impressionnée par l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez que Dieu peut vous utiliser. Et ils sont venus, quand le pasteur a commencé à prêcher, il a dit qu'il a vu, quand ils ont repris le chant infiniment grand, il a vu des têtes de mort sortir, des squelettes sortir, des corps de certaines personnes. Il y a une dame, elle ne parlait pas pendant 4 jours. Quand le chant est passé, parce que Dieu avait dit qu'il fallait reprendre ce chant, elle a commencé à crier, à remercier Dieu, parce qu'elle était délivrée. Arrivée ici, le vendredi, je suis arrivée à 22h. Melvin, mon fils, il allait tout le temps aux toilettes. J'ai dit, Seigneur, c'est une gastro. Son papa me dit, donne-lui un médicament. Je dis, moi, je ne donne aucun médicament. J'ai reçu ça de Dieu. Mon médecin, c'est Jésus. Mon médicament, c'est la parole. J'ai pris le psaume 145. J'ai décortiqué le psaume. J'ai fait mes enfants lire le psaume. J'ai pris un verre d'eau. J'ai dit, Seigneur, dans cette eau, ce n'est plus de l'eau, mais c'est le sang qui a été coulé sur la terre. J'ai dit, vous allez boire ce sang et vous serez guéri au nom de Jésus. Et ils m'ont dit, merci Seigneur, nous sommes guéris. Et il était dormi, il y avait une gastro. Moi, je vous dis quelque chose. Des fois, nous chantons, nous invoquons le sang de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce sang. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Quand vous êtes malade, vous ne devez pas accepter la maladie. Moi, si j'ai tellement de témoignages à donner. On m'avait dit que j'étais asthmatique à vie. J'ai dit, je refuse. C'est écrit dans la parole. Si l'esprit ne part pas, tu pries. Tu dois passer par le jeûne. Je suis passée par le jeûne. Les Seigneurs, j'ai ordonné à Laz de quitter mon corps immédiatement. Et Laz est parti. Moi, je vous dis quelque chose. Dieu nous donne chacun de nous une puissance. Vous devez expérimenter cette puissance. Ce feu que Dieu a mis en vous, vous devez le réveiller. Vous devez être réveillé. Parce que Dieu a un travail à faire avec vous. Et vous êtes trop endormis. Et c'est pour cela que je dis que Dieu a donné une œuvre à faire au pasteur. Nous devons encourager le pasteur. Nous devons vraiment être zélés. Nous devons être comme l'aigle. Pour que nous puissions améliorer l'œuvre de Dieu. Quand il dit qu'il va me prendre, ça veut dire qu'il t'a sorti des œuvres des ténèbres. Il t'a transformé, il t'a changé. Ça veut dire qu'il t'enseigne, il te corrige. Quand il te met sur un piédestal, ça veut dire que tu deviens un roi et une reine. Quand il dit qu'il prend l'église, perdu dans le péché, au lokota kingai. Au sukolanga na makila na yo ya mutuya. Au pakolanga ma foute sans tout na salé la yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle na zalase ya yo. Tango mika katano et tongi sa kangai. Liloba na yo et zongi sa kakimia na motema. Ya wiloba na yo ka. Osa kimia na motema nangai.